Bon, nous voici de retour. Du coup, ça va être fait en une vidéo. Donc là, nous avons du coup la McLaren Senna GTR. Il y a une vidéo dédiée à ça. Voilà. Devant, on monte vite fait vraiment l'arrière. On rentre plus parce que, comme je vous ai dit, il y a une vidéo dédiée à ça. En fait, donc pour un peu vous éclaircir, là, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous fait un tour d'Auto World vite, vite. Pourquoi? Parce que, en fait, on va ouvrir des vidéos à part. Ouais, à part, dédiées spécialement à certains modèles de voitures qui sont intéressants, en fait. Voilà. Enfin, elles sont toutes intéressantes, hein. C'est pas ça, mais t'as compris. Voilà. Donc là, on a le Trio Infernal, comment on l'a dit? Ça, c'est mes derniers achats. Donc j'ai été sur Autoscoot, j'ai trouvé une bonne affaire pour un lot des hypercars d'environ 3000 chevaux au total. Donc du coup, je me suis fait un petit plaisir. Bon, j'ai payé 10€ parce que j'ai payé juste l'entrée, frérot, j'ai pas payé les voitures. Voilà, on monte vaguement, 918. Donc, comme j'ai dit dans une vidéo qui est dédiée encore une fois à ça, c'est ma préférée des trois. Donc, je compte pas l'Aveyron dans les hypercars comme j'ai dit, parce que pour moi, Bugatti, c'est plus un luxe qu'une voiture de sport. Plus que... Ouais, comme je dis, plus une voiture de... On peut le dire, c'est une Bentley sportive. C'est exactement, c'est une Bentley beaucoup plus grosse, beaucoup plus sportive, beaucoup plus chère, beaucoup plus puissante, beaucoup plus de ce que tu veux. Donc je considère pas ça vraiment comme une hypercar. Voilà. Ça, pour moi, c'est une hypercar. Mais frérot, la Bugatti derrière d'un papa de 45 ans, tu vas me dire que ça, c'est une hypercar? Peut-être les dernières Chiron là qui sont sorties, à la limite, là, les purs sports, ce que tu veux et tout ça. Ça, peut-être à la limite, oui, mais pour moi, voilà. Ça gâche un peu le côté Bugatti. Bref, continuons. Bon, pas de trop pour cette fois-ci, mais par contre, on voulait quand même vous montrer un petit truc chouette. Donc c'est ici, en fait, c'est un peu l'histoire, l'histoire automobile. Hein. Donc Minerva, qui était, c'était une voiture belge. Hein. Comme aujourd'hui, des voitures françaises, des voitures allemandes. Ben nous, la Belgique avant, en fait, donc du coup, des voitures françaises. On va aller voir là-bas. Ah ouais. J'ai vu ça derrière. Pas tellement l'histoire. Pareil, on n'a pas vraiment lu, on est venu en vitesse. En fait, on a vu que c'était beau. Donc du coup, on est là. Qu'en penses-tu de tout ça, frère? C'est beau. Oula. J'ai jamais été fort en histoire, frère. J'ai jamais aimé l'histoire. Après, l'histoire automobile, c'est une autre histoire. Ouais. C'est pas vraiment de l'histoire, c'est vraiment une histoire à part. Regarde de l'histoire. La taille de la voiture, quoi. C'était long. Bah, il y en a une là, on peut la montrer. Donc en fait, il y en a juste une là. Putain, comment c'est long et c'est grand. Là, on va vous montrer comme ça, 3 quarts. Ça fait facile 8 mètres, ça. Non, 3-4 mètres. T'as à dire qu'un Roca pourrait être aussi grand que ça. C'est fou. Je crois que j'ai pensé à un Roca. Parce qu'elle est blanche, la voiture. Si on suit un peu le truc, normalement ça devrait être un moteur de Minerva. Ah non. Non, moteur de moto FN 450 culbut à grande culasse, moteur à la dernière évolution. Bref, t'as compris. Trop des petits camions qui transportaient des sièges. C'est beau. Voilà, on va monter ça un peu vite, vite. Vous voyez, il écrit The Belgian Stars. Il fait comme ça à la Belge. C'est bien que la Belgique a quand même eu un petit délire automobile. C'est chouette. Bon, d'ailleurs, je pense que c'est de là que Spa existe. C'est possible, je connais pas vraiment l'histoire de Spa Francorchamps. Je connais pas exactement. Oui. Ici, tu vois, on a plusieurs marques. Regarde, à l'époque, on avait déjà Audi. Bon, on va cliquer sur Audi. L'usine de forêt date. Ah ouais, donc ça parle sur l'usine de Volkswagen, là. Je sais pas si tu vois où c'est. En face du Cora. Oui, je vois où c'est. Tu vois où c'est? Date des fins d'année 20 et a servi pendant de longues années au montage des Citroën. Donc, l'usine fut reprise par le groupe Citroën, où il y a un truc qui travaille, pour y assembler entre autres Studebaker, des Studebaker, c'est anglais, c'est allemand, et des Coccinelles. Puis Volkswagen reprit cette usine,
Dans un passé récent, l'usine Volkswagen a été connue par un changement de marque, par le remplacement. Donc, ah ouais, donc du coup, on fabrique uniquement que des Audi A1 en ce moment. Ouais, en fait, d'ailleurs, quand tu vas sur le parking, tu vois que des Audi A1. Ouais, j'ai remarqué. De toutes les couleurs, c'est un truc de fou. J'ai remarqué, ça m'a donné mal les têtes. C'est très bon, tu peux tout ça. Ouais, c'est très... Ah, Lamborghini. Ah bah tiens. On parlait de Spa-Francorchamps. Ouais. D'ailleurs, maintenant... Il y a pas mal de circuits en Belgique. Ouais. T'as le fou, il doit être ça, celui-là. Celui-là, il m'intéresse pour tirer des lignes droites, pour tester les vitesses max. Parce qu'on a beaucoup de lignes droites à part là, un petit tournant. Mais là, on a une fameuse ligne droite hein, qui commence de là à là. Là, t'as au moins 2 km. J'abuse un peu. Là, du coup, donc, on a les dernières voitures modernes qui sont sorties. Lamborghini Gallardo Phase 1, avec la Continental, la Murcielago, Audi A2, avec son encore Lotus. C'est grâce à des designers belges, apparemment. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des Belges qui ont travaillé sur le X5. Et sur plein d'autres voitures comme vous voyez là, c'est quand même incroyable, c'est ce qu'on ne savait pas. Moi non plus, je savais pas, je suis fier, c'est quand même mon pays. Franchement, je suis fier. Mais du coup ici, c'est quoi? C'est des sièges et des gants, putain, la taille des gants. Helmet, glove, glass. Donc là, c'est des gants et des gants. Tagger, il lui manquait carrément un verre, quoi. Il a pété un verre en pleine course, lui. Je sais pas si tu vois. C'est fou. Sur le mur. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour un nouveau shot. Que je connais pas. Bon, on va le découvrir tous ensemble. On est parti en mode vlog, c'est trop stylé. C'est tellement stylé. Donc ça c'est une Touring Superleggera Disco Volante. Ça m'a l'air très rare. Je vous montre la plaque. Voilà, c'est 8. EFI, je sais pas ce que c'est. 450 chevaux, 460 Nm de couple, donc boîte transmission 6 vitesses auto, sur traction arrière, 0 à 100 à 4,2. La voiture elle est comme ça, bon. 202 km, donc c'est une voiture de 2013, c'est joli hein. C'est pas moche, mais c'est pas ma cam. Non, moi non plus, bon après ça se trouve on est en train de passer à côté d'un truc qui est hyper rare. Donc on va faire un petit tour à l'arrière. Personne ne voit un peu ce que c'est. Donc c'est, ouais, c'est une Alfa Romeo apparemment, donc je connaissais pas, j'ai jamais vu quoi que ce soit. Tu veux peut-être passer sur ton côté frérot avant que déjà que t'as pas la caméra de recul et que tu vas en marche arrière, ça va être un peu chaud. On va éviter de faire une dinguerie frérot, je peux virer, tu tombes et tu te colles contre la jambe de la Ferrari. Ça ferait mal et en plus ça ferait mal au portefeuille aussi je pense. Je pense que ça fait mal mais ça fait un mal bien tu vois, je t'ai cogné contre une jambe de la Ferrari tu vois. Mais je pense qu'il y a des assurances, bon bref, on peut en parler. Oh, je peux virer, je pète une lame en carbone. Je pense pas qu'il y a tellement d'assurance. Bref, une de mes Mercedes préférées d'ailleurs, je pense pas que d'ailleurs, vous savez. Tu peux pas vraiment dire que c'est une Mercedes, c'est aussi une McLaren. C'est une Mercedes SLR McLaren Roadster. Donc c'est une... Ouais, c'est une SLR. Mercedes c'est une McLaren. MM, on peut le dire, une oui, MM. Une McLaren, une Mercedes. MBM frérot. C'est très joli, j'aime beaucoup. Bon voilà, de toute façon, on va vous faire une vidéo dédiée à ça, vous allez tout voir. La Veyron, phase 1. Voilà. Je préfère la phase 2, mais ok. On est d'accord. Bon, celle-là, elle a pris un coup de vieux, on le voit comme ça. Ouais, celle-ci, ouais, mais la phase 2, je trouve pas du tout. Par contre, une voiture que j'oserais jamais conduire, ce serait vraiment un truc à côté. Ça. Frérot, c'est pour tuer, c'est une Carrera GT. C'est vraiment si tu veux te tuer. Bonne voiture, bon pilote. Bonne caisse, bon pilote, ça c'est clair, mais... Ah frérot. Après à côté la Enzo qui est pour moi l'une des anciennes Ferrari les plus belles. Alors elle existe en version Aperta aussi, si je dis pas de conneries. Elle est vraiment jolie. Bonne question. Bon on sait pas vous dire les caractéristiques parce que il y a ce petit fil rouge qui nous empêche de passer. Mais de toute façon c'est une vidéo à part. Voilà.
Et bah après on se retrouve pour... Peut-être une partie 3 ou sinon ça sera le 3. Parce qu'on découvre le truc en même temps que vous, on n'a pas fait un tour en plus pour savoir à quoi s'attendre. On découvre exactement en même temps que vous. Donc voilà.